paper-based systems to smart digital systems. Yes. And these also aid the countries to more effectively and accurately adopt and benefit from the WHO health and data recommendations through the digital systems. Which is the last bit. For this particular DIK, or the Yangtze, the requirements are based on systems that provide the functionality of digital tracking and decision support, and include, among other components, core data elements and decision support logic. And this documentation will be used in this project with the NIH to include international WHO recommendations for ANC in the Android tracker to improve the government health system, informing evidence-based policies and other initiatives. So hopefully this will result in... Désolé pour le problème technique. Je disais qu'on a utilisé les directives pour pouvoir faire des interventions et des recommandations dans le domaine de la santé dans les différents pays où l'OMS intervient. Adapting antenatal care guidelines into DHIS2 tracker modules for clinical care. And so I'm going to walk through a bit of the process of adapting this DAK that we did into a global generic DHIS2 tracker module. So within the DAK, you can see that it has a number of components here. The one that was very helpful for us was this component 5 of core data elements, because these are essentially spreadsheets that describe an ideal system for collecting data on antenatal care, expressing the WHO guidelines. And so you can see here that these core data elements are described for something. Vous pouvez voir sur la diapo les éléments de données qui ont été pris en compte. Ici, on a surligné l'âge de gestation qui a été pris en compte lors de nos études sur le terrain pour pouvoir informer les gens en ce qui concerne l'adaptation des guides de l'OMS ou des directives de l'OMS. Maintenant, quelles sont les étapes à prendre en compte lorsqu'on est en train de faire appel aux directives de l'OMS? Donc, il y a d'abord des directives sur le plan mondial à prendre en compte. En plus, il y a une certaine spécificité des diagnostics. Il y a également les registres que nous avons pris en compte lors du travail en Ouganda et également le tracker. Donc, il faut penser à comment faire la transition pour pouvoir quitter un logiciel pour entrer dans le DHSE. Donc, on a tout fait pour pouvoir l'inclure tout en prenant en compte les directives de l'OMS. On a réussi à l'intégrer au programme et au modèle de DHSE. Maintenant, pour ce qui est du programme mère de DHIS2, il y a eu des métadonnées préliminaires où nous avons essayé de faire des études pour les 17 programmes de tracker de DHIS2, non seulement pour avoir différents types d'éléments de données, mais également nous avons un nombre de programmes très élevé que les experts ont développé pour nous aider à pouvoir mettre en place le DHIS2 lui-même pour que ce soit en conformité avec nos besoins. Ici, il y a des captures d'écran concernant ce que nous avons eu à entreprendre pour les règles du programme. Ici, dans DHIS2, vous voyez ici l'enregistrement. Client in the system. And the first thing et ensuite,
lorsque vous entrez, la première chose qu'il faut faire avant d'entrer quelques données que ce soit, il faut vite faire une vérification. Alors, il faut essayer de faire la recherche et se rassurer qu'il n'y a pas de danger. Vous pouvez voir qu'il y a différentes stations, différentes histoires et de profils. Il y a aussi des modules et il y a beaucoup de calculs qui sont faits. Donc, nous essayons de disponibiliser cette application pour que les autres puissent utiliser ceci. Il y a, n'est-ce pas, beaucoup de défis. Maintenant, d'abord, par rapport à l'attribut TEI. Si on les compare avec les éléments de données. Et puis, il y a aussi la comparaison entre la première visite et la visite de routine. Il y a la vérification rapide avant d'entrer et les visites ANC. Il y a aussi des problèmes techniques par rapport aux cartes de terrain. Donc, c'est quelque chose qu'on essaie de régler. Il n'y avait pas aussi l'option Select Multiple dans DHIS2. Je signale que les interprètes ont du mal à capter les orateurs, donc vous allez nous excuser. Voilà les différents sujets que nous avons. Et donc, on a essayé de trouver des solutions. J'ai mentionné qu'il y avait des ICD-10 codes. Vous pouvez, n'est-ce pas, mettre à jour cela. Vous pouvez trouver, n'est-ce pas, d'autres moyens d'utiliser les ICD-10 codes. J'ai mentionné le guide de mise en œuvre des directives. Il y a un logiciel complexe avec des codes exécutables. Et donc, vous pouvez essayer d'utiliser cela. Une autre chose que nous n'avons pas pu faire, si vous voulez créer une version mondiale d'un système tracker, ceci est vraiment très, très important. Donc, il faut développer les règles de programme et tous les autres éléments. Si vous voulez, n'est-ce pas, mettre en place ce système et essayer de l'adapter au niveau global, il faudra collaborer. Et les pays pourront, n'est-ce pas, mettre en place des règles de programme comme vous le voyez ici. Donc, on essaie, n'est-ce pas, de résoudre ce problème avec la collaboration avec les pays. Et donc, je suis un tout petit peu en retard. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Il y a une communauté de pratique où vous pouvez poster vos questions. On va essayer
d'y répondre pendant la session. Bonjour. Je suis ici pour représenter un programme de USAID qui travaille sur les données. Je suis ici pour parler de la supervision de soutien numérique. Cette séance concerne le tracker et nous sommes très, très intéressants par rapport aux implémentations existantes du tracker. Mais c'est aussi important d'utiliser le tracker dans les domaines cliniques. C'est quelque chose de très important pour surtout les superviseurs. Donc, le plan de ma présentation, je vais d'abord vous expliquer un tout petit peu ce qu'est Jisoo. Je vais aussi vous parler des activités de supervision. Et je vais vous parler du cadre que nous avons mis en place. Et parler de DHS2 pour la supervision de soutien numérique et les perspectives d'avenir. Donc, Jisoo, c'est un projet qui se focalise sur les systèmes nationaux, les systèmes des pays. Nous essayons de soutenir les pays pour que les données actionnables soient disponibles. Nous avons 4 objectifs dans son cadre. Et surtout, le renforcement de la gouvernance et nous assurer qu'il y a un environnement favorable pour les systèmes d'information sanitaire dans les pays hôtes, augmenter la disponibilité et l'interopérabilité des données sanitaires, surtout leur qualité, ainsi que les systèmes d'information et les autres objectifs. On va essayer de voir comment développer un cadre qui peut nous aider dans cette supervision. Donc, on essaie, n'est-ce pas, d'évaluer les différents besoins. L'objectif étant de développer un document de directive globale pour la supervision digitale de soutien, supervision numérique de soutien. Il y a d'abord l'évaluation de l'environnement, la consultation. Et il faut aussi travailler sur un cadre et un document de guide. Nous essayons alors de voir comment nous pouvons numériser les composantes. Nous ne sommes pas en train vraiment de développer de nouvelles applications. Nous savons que les pays peuvent créer des applications eux-mêmes, mais nous voulons travailler ensemble pour assurer, n'est-ce pas, l'interopérabilité. Donc, nous essayons de créer ce cadre et pour savoir ce qu'il faut vraiment garder à l'esprit lorsqu'on doit numériser telle ou telle composante. Alors, qu'est-ce que nous voulons dire lorsque nous parlons de la numérisation de la supervision de soutien? Vous avez tous entendu parler de supervision de soutien. Il y a d'abord le soignant qui est à la tête, qui est le superviseur. Plutôt qui est la personne à superviser.
Donc, c'est le soignant qui doit être supervisé. Et puis, il y a le gestionnaire et le superviseur. Donc, il pourrait y avoir d'autres fonctionnaires, d'autres soignants, d'autres personnes qui travaillent dans le domaine de la santé. Et donc, ce n'est pas seulement les infirmiers, ce n'est pas seulement les médecins qui sont supervisés, il pourrait s'agir d'autres personnes qui travaillent dans le même domaine. Donc, qu'est-ce que la supervision de soutien? Ça implique pas mal de choses. Il y a d'abord la préparation, la planification, la budgétisation. Quels sont les établissements qui doivent être supervisés? D'où vient l'argent? Quels sont les établissements qui sont, n'est-ce pas, loin et difficiles à accéder? Il y a aussi le reporting. Il y a l'observation directe des soins, l'inspection et les interviews. Et les interviews sont conduites à l'égard des fournisseurs de soins. Il y a aussi, n'est-ce pas, la collecte des informations. Et puis il y a la formation, il y a le suivi et il y a le feedback qui va aider à résoudre un certain nombre de problèmes. Donc, on doit par exemple faire le suivi de la logistique, par exemple, et le suivi de pas mal de choses. Donc, toutes ces pièces, tous ces éléments sont vraiment importants, sont nécessaires, sont essentiels. Prochaine diapositive. Quels sont les types d'interventions individuelles qui, n'est-ce pas, pourront apporter ce genre d'assistance, ce genre de soutien? Si vous regardez la planification, le reporting et ainsi que le processus de préparation, vous essayez de récupérer des données pour mieux comprendre la situation et vous pouvez trouver ces données au niveau de DHIS2. Donc, vous aurez besoin de ces données lorsque vous allez assurer la supervision. Donc, en tant que superviseur, il faut aussi prendre en compte les activités de suivi à mener. Et je pense que c'est un facteur très important et qui explique pourquoi certains établissements échouent lorsqu'il s'agit du suivi. C'est aussi une opportunité de regarder les différents matériels de formation. En tant que superviseur, vous devez avoir ce genre de matériel.
Donc, ce que j'aimerais dire, c'est que lorsque vous pensez à tout le système de supervision, il y a vraiment beaucoup de points d'entrée que vous pouvez numériser. Et je pense qu'il faut collaborer pour y arriver. Alors, vous devez vous poser la question de savoir quelles sont les différentes actions à suivre de près. Alors, j'aimerais vous donner un exemple. Vous montrer comment DHSD est utilisé pour la supervision. C'est un outil qui a été développé, qui est actuellement utilisé. Il y a des composantes qui, n'est-ce pas, aident dans la planification, dans l'évaluation et dans le suivi. Ce qui est en couleur jaune, concerne ce qui s'est passé dans différentes séances, voir si les activités qui avaient été mentionnées, qui avaient été prévues, ont été réalisées. Il y a beaucoup de documentation sur ce système particulier. Il y a beaucoup de travail qui est en cours pour améliorer le système. Il y a un document cadre qui sera développé dans ce cadre qui va et puis l'année prochaine nous allons travailler avec les pays qui sont déjà en train de développer des outils numériques de supervision. Nous allons voir comment ces outils sont utilisés. Donc, si vous êtes dans un pays qui utilise déjà ce genre d'outils, nous aimerions vraiment collaborer. Merci beaucoup. Hear the full presentation if you're able to. And again, if you have questions, please try to find it on the community. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller dans la communauté de pratique pour les poster là-bas. Bonjour à tout le monde. Je suis de la Guinée. Donc, vous allez me permettre de parler en français. Tracker need from the database to the DHIS2 tracker. So what we did, what was the reality in Haiti, which step we used to go forward, and where we are right now. Alors, on va voir comment on a fait la transition de la version papier vers la version électronique. Nous allons rapidement parler du programme de tuberculose au Haïti. Nous allons parler de la transformation numérique de ce programme et nous allons aussi parler des défis et de la mise à l'échelle du programme. J'espère que vous me comprenez. Donc, voilà la réalité
En 2004, il y avait plus de 12 000 cas de tuberculose confirmés en Haïti, et le taux de mortalité était vraiment très élevé. Le programme national contre la tuberculose a essayé de contrôler la résistance aux médicaments et la co-infection tuberculose VIH. Ce faisant, il y a une collaboration très étroite avec les districts et les laboratoires au niveau national. Maintenant, quelle est la réalité au Haïti? Les données sur la tuberculose étaient seulement disponibles pour après chaque trimestre et n'étaient pas vraiment de bonne qualité. Et donc, on a essayé de collecter des données, de les partager. Et puis, j'aimerais vous partager les différents objectifs. Les différents objectifs, lorsque nous avons déjà décidé d'utiliser, n'est-ce pas, l'outil numérique, c'était pour améliorer la disponibilité des données. À temps, nous avons aussi essayé d'améliorer la qualité des données sur la tuberculose, améliorer la disponibilité et la qualité des indicateurs de suivi du programme sur la tuberculose, pour ne citer que ces trois objectifs. Nous avons sélectionné un certain nombre d'outils pour y arriver. Il y a d'abord le formulaire de suivi d'identification de cas de tuberculose. Donc, lorsqu'il y a une personne qui est positive à la tuberculose, on lui donnait ce formulaire à remplir. Nous avons aussi utilisé le registre qui, n'est-ce pas, était sensible aux produits pharmaceutiques. Nous avions besoin d'un registre d'aliénage. Et après, il fallait aussi un registre pour, n'est-ce pas, enregistrer les cas de résistance aux médicaments. Donc, il était très, très difficile de numériser tout ce que vous voyez là. Donc, il fallait d'abord comprendre les normes et les protocoles. Donc, nous avons dû travailler avec le UEP et le programme national de lutte contre la tuberculose. Donc, nous avons essayé de collaborer pour comprendre les normes et les protocoles et avant d'avancer. Nous avons configuré 4 registres de tuberculose en utilisant le tracker DHIS2. Et
les protocoles de traitement ainsi que de soins de tuberculose ont été utilisés avec le tracker DHS2. Afin de créer un lien entre les différents registres. Donc, il fallait aussi créer des programmes, plutôt des indicateurs de programmes ainsi que des tableaux automatiques pour l'analyse de performance en matière de tuberculose. Resistance to the drug, I can track him and put him on the multi-resistant registers. So that's the process. It was a very easy automated because we need advocacy. Donc on avait besoin de la plaidoirie. Donc nous avons dû créer le personnel soignant par rapport à l'utilisation du tracker TB pour la gestion des patients. Nous avons aussi dû former les gestionnaires des données au niveau des districts par rapport à l'analyse des données. Et puis, nous avons disponibilisé des tablettes, des ordinateurs, ainsi que la connexion Internet pour les établissements et sanitaires et les districts. Notre approche que nous avons adoptée, c'était celle de l'évaluation continue de la qualité des données. Et n'est-ce pas l'organisation des réunions pour voir ensemble les différentes leçons apprises. Par rapport à la connexion Internet, nous avons distribué des cartes SIM pour aider les différents acteurs à avoir accès à l'Internet. J'ai déjà indiqué qu'il y a eu beaucoup de réunions pour, n'est-ce pas, voir ensemble ce qui marchait et ce qui ne marchait pas. En termes de technologie, voilà ce qu'on a fait. Il y a les registres TB ainsi que les dossiers des patients TB. Il y a les tableaux de bord pour les analyses. Il y avait aussi les données pour les entrées de laboratoire. Il y a les données pour prévoir les médicaments à administrer, les données pour le rapport au donateur, ainsi de suite. Maintenant, nous allons voir les résultats que nous avons pu enregistrer grâce à ces efforts. Il y a maintenant un nombre croissant de patients qui sont, n'est-ce pas, aujourd'hui suivis grâce au système de 30 000 patients dans le deuxième semestre de 2019 à 64 000 patients aujourd'hui. Tous les 283 sites sont aujourd'hui suivis et utilisent ce système. Donc, entre 2018 et 2021, voyez les résultats. Maintenant, par rapport à la durabilité, nous travaillons en collaboration avec différents acteurs pour évaluer
les données. Et on essaie aussi de nous assurer que les données soient harmonisées. Voilà les tableaux de bord que nous avons créés en utilisant le tracker DHIS2. Mais je ne peux pas vraiment terminer sans vous parler des défis auxquels. At the facility, even the nurses for the team program, it's not the young person, so you have to train the Mexico region. D'avoir. Availability, reliable internet connectivity, and quality of coverage on remote area. On the countryside, even though we have the tablet with SIM card, so we don't have a good connectivity in there. So we use the Android version of the DHIS. Tracker. That means we can make the data entry without internet and go on the area that's connectivity with the upload data. It's not easier, so we maintain a certain level of data quality and real-time data access with the problem of internet connectivity and the capacity of the human resources at the facility. Donc, le défi, c'est le renforcement des capacités et les différents acteurs au niveau des établissements. Un autre problème, c'est la disponibilité de la connexion Internet. Il y a également le défi de maintenir un certain niveau de qualité de données et n'est-ce pas, avoir accès à ces données en temps réel. Un autre problème, c'est la coordination du rôle de supervision pour améliorer la qualité des données au niveau des établissements sanitaires. Maintenant, parlons de la mise à l'échelle du programme. Donc, il y a la capacité de traquer la vaccination contre la tuberculose auprès des enfants. Il y a aussi cette capacité de traquer les patients qui souffrent de tuberculose, mais également traquer leur statut en matière de vaccination contre le COVID-19. L'intégration avec les systèmes d'information sanitaire au niveau de la communauté et l'inclusion de tableaux de bord pour les chefs de programme contre la tuberculose au niveau des établissements sanitaires afin d'améliorer la supervision au niveau de ces établissements sanitaires, améliorer le test, mais aussi la disponibilité de ces tests et des médicaments, sans oublier leur gestion. Intégrer les données du tracker au niveau de la carte sanitaire. Et puis, il faut aussi améliorer les analyses du tracker. Et la visualisation et l'interprétation des données afin d'éclairer la prise de décision. J'espère que mon anglais a été clair et je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci Ampil. Donc, je prie toutes les personnes qui suivaient l'interprétation de nous excuser parce que nous avons rencontré un problème. Les orateurs étaient loin du micro et la qualité de son n'était pas du tout bonne. Donc, veuillez nous excuser.